En titre, le Front National est en ordre de bataille pour les élections municipales de mars 2014. À Nanterre, chaque week-end, le parti de Marine Le Pen organise des séminaires pour former les futurs candidats. En chef d'orchestre, Michel Guignot, le patron du FN dans la région. Dominique Patinec et Marie Roussel ont suivi un des cours ce matin. La santé, c'est un marché financier. Et aujourd'hui, on soude la santé des Français. Ça aussi, vous allez devoir l'expliquer dans vos campagnes électorales, parce que ça, c'est un thème local. Quand un petit hôpital ferme... Depuis 6 mois, Michel Guignot passe ses samedis au siège du Front National. Spécialiste des élections, il y forme les futurs candidats aux municipales. Ses élèves viennent de partout. Certains ont déjà plusieurs scrutins à leur actif, d'autres entrent dans l'arène avec ce vote longtemps négligé par le FN. Marine Le Pen considère que ce scrutin est la première marche, une des marches en tout cas, que nous devons gravir pour accéder au pouvoir. Et c'est vrai que les élections municipales n'ont pas toujours été la tasse de thé du Front National, parce que c'est un effort important à faire pour le mouvement. Les dernières législatives partielles ont conforté le FN. Dans l'Oise et le Lot-et-Garonne, le parti s'est qualifié pour le second tour et il a fait vaciller l'UMP. L'UMP, ancienne formation de certains des élèves présents. Les paroles des Le Pen, père et fille, n'effraient personne ici. Jeudi, à Nice, Jean-Marie Le Pen a évoqué la présence urticante et odorante des Roms. Les mots ont l'importance, on est d'accord. Mais bon, Jean-Marie Le Pen est Jean-Marie Le Pen, donc on l'accepte tel qu'il est. Et Marine Le Pen est différente ? Marine Le Pen, je dirais, reprend les mêmes valeurs, les mêmes concepts, les mêmes idées, mais je dirais, elle les dit avec des mots, je dirais, peut-être moins durs pour nos électeurs, mais nos électeurs potentiels. Il suffit donc d'arriver du bout du monde en disant, ben voilà, et c'est encore celui qui paie des impôts qui nourrit le monde entier. Les fondamentaux ne sont jamais loin. Devant un public convaincu, Michel Guignot évoque immigration, insécurité. Ces thèmes ont incité certains candidats à se lancer, mais ils devront apprendre tout le reste. Une journée comme celle-ci, c'est utile ? Oui, parce que ça va m'apporter quand même des réponses à des questions que je me pose. Comment gérer une ville ? Et puis, il y a quand même des gens qui vont être plus calés que moi en face. Faut pas se leurrer. Hein. Certains s'y voient déjà. La journée sera studieuse, bien remplie. Les militants du Front National s'accorderont une seule pause dans un restaurant dévoué à la cause.